d'Ève. Et les gens étaient tout à fait surpris comme ça. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Tous ces gens qui ne comprenaient rien à ce que je disais à l'époque, eh ben, ils fonctionnent avec Google toute la journée. Justement, ça y est dans la préface, ça, oui. Cette dimension-là. Voilà. Alors, donc, ça, c'est. Donc, on est arrivé tout à fait à ce qui se dessinait à cette époque-là. Alors, il y avait très peu de gens qui avaient le nez pour sentir ça, mais maintenant, oui, maintenant, on est dedans et il faut tirer les conséquences. Et il y avait peu de gens à l'époque qui se rendaient compte de ce qui se passait, de ce qui allait se passer, mais il y a encore très peu de gens qui aujourd'hui se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Ils sont tout le temps à interroger Google, mais ils ne tirent pas les conséquences de ça. Le livre tel que nous le connaissons d'habitude, tel qu'il y en a dans cette bibliothèque, c'est une forme particulière du livre. Et qui date d'une certaine époque. Auparavant, on avait des rouleaux, ou bien on avait des feuilles qui étaient séparées les unes des autres. Donc il y a toutes sortes de formes différentes, et on peut dire que le livre numérique, hein, c'est simplement une autre forme du livre. Hein. On est toujours à l'intérieur de cet objet, qui est si varié en réalité. Nous avons en général, une vision tout à fait restreinte du livre. Et ça m'a beaucoup intéressé de travailler un peu sur ces différentes formes du livre. Par exemple, j'ai parlé du rouleau. Mais c'est, tous ceux qui sont allés dans des synagogues savent que la Torah se présente sous forme de rouleau. Et si on s'intéresse à l'art de l'Extrême-Orient, il y a énormément de peintures, certains des plus grands classiques, hein, bien, se présentent sous forme de rouleau. Eh bien, lorsqu'on se trouve devant un rouleau, on a des gestes qui sont complètement différents de ceux que l'on a devant le livre classique actuel. Donc, on a toute une, si vous voulez, une danse qui est complètement différente, avec une façon de percevoir les choses qui est différente. Il faut toujours qu'il y ait, disons, quelque chose comme une camaraderie. Hein. Il y a des gens, c'est pour ça que dans le film je parle un peu de la célébrité. Il y a des gens, quand ils ont atteint une certaine célébrité, alors ils deviennent difficilement fréquentables. Alors, il y en a qui restent très très bien. C'est cela que je préfère. Mais sinon, moi, chacun de ces livres, chacun de ces objets est lié à toute une histoire et à toutes sortes de relations. Par exemple, le livre qui a été fait chez Manuel, là, et bien naturellement, il y a eu tout un dialogue autour. La preuve, c'est que ce dialogue a même été enregistré. Hein, et ce qui a été enregistré n'est qu'une petite partie de tout ce que nous avons pu nous raconter, etc. Donc, tout ça est né à l'intérieur de dialogues au pluriel. Et alors, il y a un moment, dans ces livres-là, il y a un moment fondamental, c'est le moment où l'image se met à produire du texte, ça oui, mais